OPT, le monde à portée de main. Neuvième journée du championnat Super League de Nouvelle-Calédonie en direct de Noumadélé avec deux nouvelles affiches qui vous sont proposées aujourd'hui sur la chaîne Pacific Plus mais également sur la FCF TV Web. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jordi. Bonjour John. Alors, une fois n'est pas coutume, Jordi, aujourd'hui je prends la place de notre commentateur national Romain Pévenis qui, je pense, doit nous suivre en famille depuis Marais. Ouais, donc bonjour aussi, à tous. Bonjour, bonjour à Romain, bonjour à lui de Romain, Marais. Voilà. Donc on va se concentrer sur le programme que va nous proposer aujourd'hui ce championnat. On va voir s'afficher. Allez, on va découvrir ensemble les 6 rencontres de cette 9e étape du football élite de Calédonie. Et voilà, à 15h, donc ici à Noumadélé en direct sur Pacific Plus et la FCF TV Web. La Escougnée qui va affronter l'Horizon Pato. Tiga Sport à 17h, gros match. Gros match, ouais. Tiga Sport Magenta. Magenta, voilà. Ensuite, à 14h, au stade Boeva, on pourra assister à l'AS Mandor d'un BAFC. Yangen qui accueille à Kone le SN Djihou. Et à Lifou, Juan Ono à 15h contre l'AS Lecce. Demain, un match à 14h, comptant pour cette 9e journée, entre l'AS Wetch et l'AS Gaïcha. Et pour l'heure, on va pouvoir justement s'attarder sur cet AS Cougnet qui va tenter de bousculer cette équipe du buteur actuel de ce championnat, l'Horizon Pato. On le voit, actuel quatrième. L'AS Cougnet, premier barragiste donc de cette, à la sortie de cette 8e journée. On le voit, hein, 8e qui va devoir justement aller chercher des points, ouais, Jordi Goni. Ouais. Avec tous les deux un match en retard, ce que je vois, 7 matchs joués tous les deux pour Pato et AS Cougnet. Voilà, deux équipes qui ont des ambitions pour cette année parce que avec la nouvelle formule de son championnat qui l'année prochaine passera à 10 équipes au lieu de 12. C'est ça. Donc deux descentes définitives à la fin de ce championnat et 3 barragistes. Ouais, une zone rouge qui va être dure à sortir, donc il va falloir travailler et cravacher toute l'année. Alors, on les voit, Pierre Gop à l'écran, artiste qui nous arrive de Penelo, donc les pays de l'Est là-bas, à Marais. On va pouvoir découvrir donc cette composition d'équipe proposée par l'AS Cougnet avec ses entraîneurs Kenji Vandegou et François Lumari, et aussi Lucas Doué-Perret qui fait partie du staff. On aura donc ce 4-4-2 proposé par les entraîneurs, ou avec ce jeu porté plutôt vers l'avant. Vers l'avant, oui, c'est voilà. Ça. Jordan Doué-Perret. Roch Ticouré qui fait son entrée à la place de Vincent Vaquier, ouais, qui depuis deux matchs, lui, s'est blessé à la cheville. Ouais. Et puis après, au milieu et devant, ça ne change pas trop. Du côté de l'Horizon Pato, vous avez pu le voir juste avant là. Donc, une équipe pareille, qui, avec une formation 4-3-3, on le voit, ça, avec Luther Wakanumune au milieu, Johan Béarouné. Et puis ce Georges Béarouné au milieu de 10, qui va accompagner son attaquant, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, Jean-Paul Wamedjo. Exact, oui. Et voilà, cette belle équipe qui est actuellement, on l'a dit tout à l'heure, quatrième. Quatrième au championnat, ouais. Mais le match forfait qu'ils ont gagné le week-end dernier face à Juan Ono, oui. Face à Juan Ono. Juan Ono a encore des possibilités d'appel. Donc, le classement est provisoire justement pour cette équipe de l'Horizon Pato. C'est ça. Alors, on le voit, ces équipes qui contournent les travaux qui sont en train de se faire pour la réfection du stade et surtout sur le carton là, qui est proposé pour le saut en longueur. Mais voilà, on les voit contourner le bac à sable. Deux équipes avec leur capitaine.
Voilà, une rencontre entre Pato et Cougné qui promet du spectacle. Après plusieurs jours de pluie, un terrain assez gras et humide, mais le soleil est au rendez-vous du côté de Magenta, donc ça s'annonce pas mal. Ouais, ça va être intéressant donc, pour ces deux équipes de pouvoir justement essayer de tenter de ramener un bon résultat à la maison. Donc c'est deux équipes qui se sont déplacées, une qui arrive de l'île des Pins, l'autre de l'Horizon Pato. On les voit. Aujourd'hui, ça va être un match clé pour eux aussi, pour essayer de prendre de la distance sur leurs prétendants. Pour l'Horizon Pato, mais pour Cougné, ce serait plutôt de sortir de cette zone dangereuse. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même pression au niveau du classement, ces deux équipes-là. Donc, des matchs importants à ne pas prendre à la légère. Et voilà, donc ça, c'est tant mieux parce que ça nous annoncera du spectacle. Voilà. Voilà ces joueurs de l'AS Cougné. Allez, capitaine, Daniel Coité et Georges Béarounet, Vaxa, face au trio arbitral. Fameux toast pour voir. En faveur de Georges Béarounet qui choisit le terrain. Donc le ballon est cédé à l'équipe de l'AS Cougné. Le trio arbitral. Thierry Marmont au centre, Éric Pougin et Jean-Édouard Pidiot. Et voilà, face aux travaux, ils se sont écartés. Ouais, c'est compliqué avec ces. François-Louis-Marie sur la gauche pour l'AS Cougné et Auguste Wachetine, entraîneur. Donc deux formations proposées par deux coachs, une plutôt donc en 4-4-2. Pour François-Louis-Marie qu'on voit à l'écran et Auguste Wachetine qui a opté plus pour un 4-3-3. Le voilà. Le voilà l'entraîneur de l'Horizon Pato. La montagne du Mont d'Or qui est couverte, mais du côté de Noumadélé, on a un temps assez ensoleillé. Ouais, un beau soleil. Une pelouse assez agréable pour pratiquer le football. La dernière vérification pour Éric Pougin. Ouais, on a toutes les conditions réunies pour avoir du beau spectacle. Comme tu l'avais souligné tout à l'heure, John, du côté de Pato, une absence de Johan Béarounet au milieu qui avait été affiché. Voilà, donc on a un petit changement donc, sur l'effectif. Donc c'est Naweongo François qui jouera à la place de Johan Béarounet au milieu, en 8, donc Jack. Et puis derrière, Steve Wahopi, qui lui est resté sur l'IFU et qui a cédé sa place à Daniel Mahéné en latéral droit. Ça y est, c'est parti. Coup d'envoi donné entre ces deux équipes. Un très long ballon. Attention, Narcisse, Cotereux. Donc ballon dégagé. Premier ballon assez dangereux. Ouais. Un essai. Premier corner pour l'AS Cougné. Voilà, hein, ce Jean-Paul Wamedjo qui reste en pointe là sur ce corner, mais qui va avoir un rôle important pour cette équipe de l'Horizon Pato. Oui, Jean-Paul Wamedjo qui, on le rappelle, actuel meilleur buteur de cette Super League avec 8 réalisations. Voilà, corner bien tiré. Re-corner, sorti par Sébastien Wachetine, venu défendre. Ces corners-là, ils sont bien frappés par Roberto Neoé parce qu'il est gaucher et avec le vent, le ballon tombe assez vite dans cette surface. Donc, faut bien juger la trajectoire. Ouais. Ah, dommage pour trop long. Il faut préciser aussi que du côté de l'AS Cougné, Gianni Montmieux est sur le banc aussi. Donc il a laissé sa place à Narcisse Cotereux qui va évoluer sur le flanc droit en 10. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Gianni dans le 11 de départ. Peut-être
un choix tactique du coach ou une baisse de fatigue. Les équipes qui pour l'instant se battent au milieu avec Narcisse Coutureux. Ballon récupéré par cette équipe de l'Horizon Patho. Béarouné pour Dylan Maëlé qui a essayé de trouver Jean-Paul Ouamedjo. Voilà, Dylan. Bien sûr, Edmond Béarouné. Pas sûr qui a laissé. Le voilà, Edmond Béarouné. Écarté sur le côté gauche. Ça coulisse bien. Ouais, ça coulisse bien du côté de Patho, ça ne s'affole pas, ça prend le temps. Au milieu récupéré par Daniel Coité. Ouais, c'est tout de suite reperdu. Tout de suite perdu, ouais. C'est bien joué. Ah, jouer, c'est toujours un beau combat au milieu que vont devoir se. Qui va se jouer entre ces deux équipes. On le voit, c'est des équipes où les milieux, il y a un renfort au niveau des milieux, notamment pour l'AS Cougné. Puis gauche de Néoré qui sort. Tout à l'heure, j'ai partagé un peu avec Auguste Wachetine et il me disait que c'est vrai que cette équipe de Cougné, c'est une équipe qui mentalement ne lâche rien. Donc oui, pour lui, c'est même si techniquement, il pense que ils ont un peu le dessus avec son équipe, mais mentalement, c'est une clé aussi de pouvoir avoir un mental de battant. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Cougné, on peut dire que c'est des guerriers jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, ils lâchent rien. C'est ça. Et l'année dernière, en coupe, l'Horizon Patho menait 2-0 à la mi-temps face à Cougné, et puis il y a eu 2-2 jusqu'à la fin du match. Et puis Cougné gagne ce match. Ouais, il me semble que c'était ici sur le stade. C'est ici, c'est à Noumadélé. Ouais. On voit cette action avec une faute sur Vaxa, Georges Béarouné, Edmond Béarouné. C'est écarté sur le côté gauche sur Peter Aïnouné. Ouais, une main. Une petite main de Narcisse Coutureux. Ouais, il aura un rôle important, Georges Béarouné, pour cette équipe-là, c'est l'orientation du jeu. C'est lui qui va être une sorte de métronome avec les jeux courts, alterner jeux courts, jeux longs. Ouais, il va organiser. Ouais, c'est ça, ça va être lui. Ah, on le voit, Auguste Wachetine à l'écran, ça va être difficile avec ces barrières qui et empêche de communiquer correctement avec les joueurs. Attention à ce ballon récupéré par Sébastien Wachetine qui le ressort sur Peter Haiwengene. Tiens, on le retrouve là, Wachetine. Ouais, ça prend le temps. Encore, voilà. C'est bien. J'essaye de faire bouger le bloc adverse. C'est ça. C'était propre dans les transmissions. On voit cette petite faute. Cougné, ça cherche le jeu long directement. C'est tout de suite récupéré par l'équipe de Patho. Qui temporise. On va sûrement faire tourner. Ah, tranquillement, ils repartent sur le côté droit. Qui a mon essai. Ah, c'est intéressant de voir comment l'équipe de Cougné va défendre. Avec un bloc qui bouge. Ça, ça coulisse bien, ouais. Du côté de Cougné. Un bloc, il est en place. Il est en place. Mais voilà. Ils ne perdent pas patience, les joueurs de l'Horizon Patho. Il continue à manœuvrer ce bloc. Voilà. Essaye de trouver la faille. Ça va repartir. Côté avec Jordan qui essaie de trouver Marvin Vendégout. Ballon trop long. Ça fait 2-3 fois que l'ESCA essaie de jouer sur les longs ballons sur leurs attaquants. Je pense qu'il va falloir essayer de poser un peu plus le ballon. Wanessé, Béarouné anticipe
pas mal l'élan ballant. Donc je pense que pour SK, il va falloir essayer de jouer plus au sol. Pour l'instant, ça coulisse bien des deux côtés, défensivement comme offensivement. Voilà, ça bascule à droite, c'est un long ballon pour trouver Jean-Paul Ouamedjo. Ouais, c'est bien ce qu'ils font aussi du coup. Sortie de but. Alterné, je cours, je long. Jean-Paul Ouamedjo, je pense qu'il va vouloir monter son compteur de but. Et il est déjà bien là, il est déjà bien. Derrière Jordan Wetia, ouais, de Yengensport. Voilà, Jordan de Perret avec cette touche sur Roberto. Ballon récupéré au milieu. C'est bien fait, Thomas. Donc Luther Wakanumune, hein, un bon renfort pour cette équipe de l'Horizon Paso. Ouais. Là, ça c'était Naweongo. François. Ouais, il a bien joué le coup, il a récupéré, il n'a pas perdu. Il a essayé de trouver les intervalles. Dommage, elle était mal dosée cette balle, mais l'intention elle était bonne. Bien défendu de la part de Mbé Arouné. Sur un ballon bien récupéré. Peter Ewengene qui arrive à trouver. Dommage. François. Dommage. Serein. Voilà à l'écran. Serein les jeunes. Naweongo. Tchaïk. Attention, il est parti sur le côté Marvin. Marvin Vendégout. N'arrive pas à se mettre en position de centre. Belle défense de Peter Naweongo, Aiwengene, on le voit. Après, il s'en mêle un peu les pinceaux. Marvin. Ouais, cherche pas à comprendre. François Lumari. Aujourd'hui, Kenji Vendégout ne peut pas être présent. Il y a Lucas Doué-Perret aussi qui est sur le banc avec François Lumari. Kenji qu'on salue, qui prépare. Attention. Pied gauche de. Ouf, c'est passe pas très loin. Ce ballon qui a filé dans la surface et qui a trouvé Roberto Neuere, le voilà à l'écran. Ouais. Dommage qu'il ne s'est pas appliqué parce qu'il est frappé de l'extérieur du pied. Il était sur son bon pied, son pied gauche. Personne le marquait. Bien placé, point de pénalty. Là. Dommage qu'il écrase un peu sa frappe. Vaxa qui oriente vers Dylan, bien sûr Kiam on essaie vers son gardien Wea Washetin qui va trouver Edmond Béarouné qui va revenir sur son gardien. Ils essayent de. Attention, là c'est dangereux. Attention. Ballon récupéré par Mathieu Doué-Perret. Marvin Vendégout. Bien frappé. Attention parce que ça part aussitôt du côté gauche là-bas avec Haiwengene qui n'arrive pas à trouver qui trouve Louis Daniel. Je pense faute. Ouais. Petite faute sur Mathieu Doué-Perret. Non. Ah non. C'est une main. Une main. On le voit. Action de Marvin. Vendégout. Frappe pas assez appuyée. Cadré mais pas assez appuyé. Ouais. Capté directement. Donc, par Wea. Capté facilement. Ça anticipe bien du côté de Pato avec Béarouné. Tiens vite. Georges Béarouné. Ces ballons-là là, qui sont intéressants de Georges Béarouné. Attention, ça va vite. Attention. Ah. Non. Non. L'arbitre dit qu'il n'y a pas faute sur Kenny Naou. On voit petit accrochage. Là, juste en dessous. Ouais, c'est bien caché. Bien joué de la part de Louis Daniel. Oui. Qui a su protéger ce ballon. Le voilà. Ah non, c'était Sébastien Washetin. Pardon.
Là, il y avait une petite faute, mais difficile de voir pour l'arbitre central. Du coup, corner du côté de Pato. Qui sera tapé. C'est le premier corner pour les jaunes et bleus. Frappé par Georges Béarounet. Trop fort, trop haut. Ce ballon est sorti. Malheureusement pour les joueurs de l'Horizon. Le stade Noumadélé qui se remplit petit à petit. C'est le premier match. Ouais, on verra. Ils arrivent doucement. Les, attention. Les supporters, attention, ce ballon de Narcisse Cotteré récupéré. Il part sur le côté droit. Il a voulu piquer ce ballon. Bien fermé de la part de Wea Washetin. Il se couche bien. En deux temps. En deux temps, bien piqué de la part de Narcisse Cotteré avec ce loupé sur cette défense-là. Et là, l'accélération. Ouais, il applique pas assez bien cette balle. Oh, super contrôle orienté dans l'espace. Bien fermé par Louis Daniel. Il faudrait que cette équipe de Pato fasse attention parce que ça fait deux erreurs défensives qui coûtent cher. Ah. C'est une grosse faute de la part de Vaxa. Georges Béarounet. Ah, on a entendu le choc jusqu'à même ici les tribunes. On le voit. Avec Roberto. Deux protèges. Pirato. Et voilà les deux joueurs. Alors là, c'est encore assez timide, même si on voit des petites lueurs comme ça. On a vu sur le. Attention, on suit l'action. Et sur ces offensives de l'AS Cougnet. Bien attention, joué. Du côté droit, avec Dylan. Dylan Mahéné, il y a une faute. Sollicité 1-2, bien joué avec Kenny Naou. Malheureusement, il y a une petite faute, on va le voir là. Bien joué le 1-2, et puis cette faute de Jordan Dupéré qui va permettre à Georges Béarounet de pouvoir adresser un centre dans la surface de réparation. Ouais, il a un pied gauche qui est très adroit. Du coup, il s'occupe des coups francs, des corners. Il s'occupe de tout. Alors qu'avant, il jouait derrière. Latéral, oui. Latéral gauche. Et il est monté petit à petit. En général, on descend, en vieillissant. Et il monte. Très bien frappé. Si on sortir ce ballon. La sortie. Peter Rewingen. Edmond Béarounet va trouver son gardien. Attention. Phalange. Gabriel Vakoumé qui va trouver de l'autre côté un ballon récupéré. Ouais, ça. Il y a encore un peu de déchets sur les transmissions au milieu. Ça s'échange les ballons. Oui, c'est ça. C'est du attaque-défense presque. Ces deux équipes. Ouais, il faudrait que cette équipe de Pato fasse attention défensivement parce que les deux grosses occasions franches de l'AS Cougnet ont été des erreurs défensives de Pato. Une de Béarounet, une de Guillaume-Monnet. C'est ça. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses sanctions. Non. Avec ses pertes de ballon, mais. Mais bon, on est encore à 15 minutes de jeu, donc il faudra être très vigilant là-dessus. Roberto bien pris. Bien joué de la part de Kaloumouné. Devant, il trouve Wamedjo. Ah, ce long ballon de Kenny Naou. Attention, Louis Daniel. Il part trop vite. Voilà, c'est pareil pour Pato. Pas mal de déchets techniques. Ouais. De calmer, poser le jeu, se trouver plus facilement avec plus d'applications.
Voilà, dans ce moment-là, il faut savoir là, calmer. Ça écarte sur le côté gauche. Roberto, bien joué le double contact là. Sollicite un 1-2, malheureusement, pas assez appuyé de la part de Mathieu Doué-Perret. Bien heureusement, ils arrivent à trouver une touche. Cette équipe de l'AS Cougnier. Assiste à une longue touche. Ouais. Ouais, centre pas bien dosé. Atterrit directement dans les bras d'Ouéa Wachetin. Et oh, voilà. Grand dégagement, ils n'arrivent pas encore à trouver leur attaquant. Bah, un quart d'heure de jeu, je pense que les muscles sont chauds. Encore un déchet, à trop de déchets techniques pour s'appliquer. Après, je ne sais pas, j'ai pas pu aller sur la pelouse, mais on a l'impression que le terrain, même si il y a un bon système de drainage, mais on a l'impression qu'un terrain qui retient ce ballon, qui l'empêche de rouler correctement. Puis, Oui, non, mais je pense que c'est ces dernières pluies là qui rendent ce terrain assez assez humide. Ouais, on n'a pas vu de glissade encore. Non, ouais, ça, c'est vrai que ce niveau-là, non. Allez, deux équipes. Qui joue depuis 18 minutes. Je rappelle, hein, les matchs. On peut les suivre donc sur la chaîne Pacific Plus, mais également sur la FCF TV Web. En direct, ouais. Long ballon de Georges Béarounet. Sans problème pour Julien Doué-Perret. Ah, ça. On a encore un peu de déchets des deux côtés, mais ça va tendre vers un peu plus de qualité dans les transmissions. Attention, Narcisse Cotureux qui va aller trouver peut-être. Non, il décide d'aller tout seul. Il va chercher Mathieu Doué-Perret pour Roberto. Il va chercher Narcisse. Oh, il est dégêné, attention. Il glisse un peu. Il y a encore une. Là, ça commence à glisser. La compréhension, ouais, entre les joueurs de l'AS Cougnier, mais ça aurait pu être une action très dangereuse. Et ce contrôle, peut-être qu'on va revoir le ralenti sur cette faute sur Georges Béarounet. C'est Philippe Vacoumé. Voilà. Qui va faire la faute sur Georges? Ouais, il y a bien faute. Encore chercher Jelan. Ouais, Vaxa, Georges Béarounet. Les coups francs de partout. De partout, les coups francs, les corners aussi. Il va frapper les 6 mètres aussi. Ah, il a un bon pied gauche. Autant ça y est, long ballon. Voilà, comme bien joué. Dylan, Mahéné. Joué. Attention, le ballon est sorti. Dommage. Sorti de but. Donc ils vont pouvoir repartir tranquillement. Les joueurs de l'AS Cougnier. On le voit. Tripote la balle. Il faut que ces joueurs de Cougnier soient à la réception de ces 6 mètres. Parce que, comme on l'a vu précédemment, le 6 mètres précédent, c'est les joueurs de Passo qui sont à la tombée de ces longs ballons de. Ils sont statiques pour l'instant, les joueurs de. Mais ils arrivent quand même sur des erreurs, défensives de la part de. À se procurer des occasions. Ah, voilà, c'est ça. Et des occasions très dangereuses. C'est pas des actions où. Ils sont. Où c'est.
Non, mitigé. Là, c'est vraiment des occasions franches de but, concrètes et franches face au gardien. Puis tout à l'heure, voir Narcisse Cottereux. Encore une longue touche. Perdre son face à face à Julien Doué-Perret. Attention, une petite faute. Il y a un coup de... C'est Kiam. Un coup de Kiam. WDC, oui. Ça va donner un coup franc intéressant. En plus, il y a le vent avec eux. La Escounier. Tiens, on va le voir. Hop. Bon, il signale une faute. Pas forcément évidente, mais Monsieur Marmont a décidé autrement. Ça va être coup franc excentré. À peu près pour le pied gauche, 18 mètres, 20 mètres. Ouais. Voilà, c'est bien un tapé. Centre. Ouf. Il est coupé. C'était bien joué. Roch Tikouré qui fait son premier match titulaire à la place de Vincent Vacoumé. Vincent Vaquier, pardon. Ah, une petite faute. Et voilà. Roch Tikouré. Il a frôlé, s'il a touché, a été bien coupé. Rounet qui balance. Les jeunes, faut se parler. C'est rien. Ah, c'est ça, il y a un boulevard quand même au milieu et on se. Ouais. C'est un peu du baby-foot au milieu, mais. Mais c'est ça, avec le. On voit ces jeunes avec. Je les sens plus à l'aise au milieu de terrain avec beaucoup moins de pertes de balles que. Ouais, il y a quand même des éléments qui, comme Gianni Montmieux, qui manque à l'appel. Qui manque à l'appel, puis justement, on peut donner une sérénité à ces deux flanqueurs. Sur les côtés, Roberto et Gianni à pouvoir justement donner des solutions. Et Philippe Vacoumé et Daniel Coité à ratisser dans l'axe. On le voit hein, à l'écran, Daniel Coité, son poste. Milieu défensif, long ballon. Une longue touche, oui. De bien Philippe Vacoumé. Ah, ce côté droit encore, hein, où il y a pas mal d'animation. Et très animé ce côté droit de Laïs Cougnier, malgré l'absence de Gianni Montmieux. C'est un couloir, c'est bien animé, le voilà. Belle défense glissée de la part de. Dylan. Ça défend bien du côté de Bateau. Mané. Encore une touche. Non, une faute. Un coup franc. Oui, Auguste Wachetin, avec qui tout à l'heure je partageais, qui disait que oui. Une perte de balles. Ah, encore une perte de balles. Ces erreurs-là trop fréquentes. Et puis ça peut être dangereux. Ouais. C'est. Là, pour l'instant, heureusement ça va. Que s'en sort bien, l'exploitation mais... oui. Ouais. De ces erreurs de la part de Laïs Cougnier pas encore et sans conséquence pour cette équipe de ouais, on voit l'image de Horizon Patho, mais on voit Georges Béarounet qui commence à lever le temps, faire des grands gestes. Je pense que ces erreurs là il va rappeler un peu l'équipe à l'ordre, rester concentré surtout sur ses relances. Ils obtiennent une touche pour les jeunes. Ça permettra de ressortir un peu le ballon. Ah, il revient vers son défenseur qui est Mounessé. Attention, attention, ça va erreurs. Payer. Hein. Attention à ses erreurs. Encore une fois, il y a eu. Je ne sais pas si c'est dû vraiment au terrain, la qualité de ce terrain qui. Je ne sais pas, mais là, ça commence à être vraiment de plus en plus dangereux. Oui. Après, il y a cette difficulté à manier le ballon, on le voit. Hein, c'est. Ouais. Heureusement qu'il est, il a il freine maladroit. Beaucoup ce ballon. Ouais, je pense que le terrain il est. Il temporise. Marvin Van Degou. Il a récupéré, il n'y a pas de faute. Ballon récupéré son faute. Parti vers Jean-Paul Ouamedjo. Ouamedjo. Qui va trouver Luther Wakanumune. Ça y est, c'est fait. Bien avec joué. Vaxa. Bien joué ça. Ça se trouve très bien. Attention. Il y a Mounessé. Il va pouvoir. Voilà. Il y a la touche.
obtenir la touche. Oui, on le disait, ces erreurs de passo, à force, ça va finir par leur coûter très cher. Donc, attention, être vigilant. Mine de rien, le ballon avance de plus en plus vers le but suite à ces erreurs. Ah, cette longue touche encore. Attention. Bien dégoût. Dommage, c'est directement dans les bras du gardien. Ouais, dans les bras du gardien. On revoit cette longue touche avec une première tête de Mathieu Doppéré, puis derrière Marvin Van Degout qui continue à essayer de ressortir le ballon proprement, mais quand même un c'est petit pressing quand même qui est mis de la part de la SK. Bien joué, c'est sur Luther, il va trouver de l'autre côté, c'est fait. Il aurait pu laisser l'avantage. Dylan, il était tout seul. Après, M. Marmand décide de d'arrêter le jeu pour mettre un petit carton. Le voilà pour Philippe Vakoumé. Premier carton jaune de ce match pour Philippe Vakoumé. Parce que là, Dylan Mahéné partait tout seul avec le ballon. On le voit, il a bien ouvert. Et il aurait pu le sanctionner après là, il est. Ouais, il aurait pu revenir sur la faute et laisser le jeu se poursuivre. Après, c'est une décision de l'arbitre, c'est lui qui commande. C'est l'arbitre qui décide. Et voilà ce carton. Et on respecte son choix. À la 28e minute. Le ballon doit naisser sur le bord de la surface. Frappe. Complètement dévissé. Voilà, Peter Ewegene, on va à l'écran. C'est à obtenir un corner pour Georges Béarouné. Encore un corner, un coup de pied arrêté pour toujours ce Béarouné, capitaine, là, qui s'occupe de tous les coups de pied arrêtés depuis le début du match. Ça. Il a un pied gauche qui marche très bien, donc il faut en profiter. Chercher au premier poteau. Et ça lève les bras de partout dans la surface. Il y a peut-être des courses. Ah non, il est parti au deuxième. Narcisse Cotereux, bien joué. Bien joué ce contrôle. Qui a lobé. La vitesse. Progresse. Sur sa droite, personne n'écarte. Ah, c'est dommage. Mauvaise conduite, poussé un peu trop loin. Bien. Écarté de la part de Dylan vers Georges Béarouné qui va essayer de trouver. Toujours ces ballons dangereux là. Un joueur. Camouin essaie qui est devant. Il s'en sort. Qui réclame une fois. Oh. Qui joue sur Sébastien Wachetine et une faute. Une faute. Bien placée. Ouais, la toujours. Faute, elle est sur Wachetine, voilà. Je pense qu'il y avait une première Sébastien. Petite faute sur Kiam. Et peut-être. Celle-là a été flagrante. Toujours ces bons ballons là de Georges Béarouné qui arrive toujours à mettre le danger avec ses ballons en cloche dans la surface pour ses attaquants. On revoit. Ce contrôle de Narcisse Cotereux. Ah, c'est là, il va pousser trop loin à ce moment-là. Ouais. Pousse un peu trop loin le ballon, bien récupéré de la part de Dylan Mahéné. Ouais, il a attendu le bon moment. Trouver un coup franc excentré pour Georges Béarouné. Ouais, un très bon coup franc là, pour le même gauche. Que celui de Cougné un peu plus tôt. Attention, donc, là, le pied gauche. Excentré à droite. Donc ça. Il va frapper fort, trop fort même. Il a tenté au-dessus du cadre. Et c'est pas grave, c'est en tentant qu'on ouais, je disais tout à l'heure en discutant avec Auguste Wachetine, il disait que la difficulté, tu as dû connaître ça aussi, hein, Jordi, cette difficulté avec ces équipes où il y a une partie qui est aux îles, là ici notamment c'est l'horizon Pato, et une autre qui est sur Nouméa. Donc essayer de trouver une cohésion, essayer de trouver des automatismes avec un groupe, c'est un peu plus difficile pour ces équipes. C'est compliqué quand tu as deux groupes et tu en as un qui s'occupe, qui s'entraîne à un endroit et l'autre à un autre endroit. Quand ça se retrouve le jour des matchs, c'est compliqué de trouver quelque chose d'homogène. Attention, l'emballant pour Jean-Paul. Omedio a bien récupéré. Au contrôle. Parti de l'autre côté avec Roberto qui s'en sort. À sortir. Son marquage, ballon récupéré de la part de Luther. Oui, Corias. Non,
Non, ça laisse jouer. J'ai joué, qui a mon essai. Qui glisse, attention. Il y a quand même un joueur de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Marvin Van Degou qui est au sol. Un peu de frustration là du côté de Cugny, parce que je pense que Roberto réclamait une petite faute depuis le début. Ouais, y a une faute, il y a une faute de main. On va aller voir Marvin Van Degou de l'autre côté. Oui, donc toi, tu as connu ce genre de difficulté avec Yengen. Ouais, avec Yengen, ouais, c'était compliqué. Par contre, Yengen, c'était pas pareil. On était trois groupes. Un groupe sur Koné, un groupe sur Yengen, un groupe sur Nouméa. Donc mais vous avez pu quand même oui. Être premier de ce championnat, maintenir... Ouais, après, c'est le travail du coach à suivre tout ça, de là où il est, à gérer tout ça. C'est une grosse, grosse organisation surtout. Après, il y a les joueurs aussi individuellement qui doivent se prendre en charge et puis la responsabilité pour le groupe, enfin, face au groupe. Quoi. Oui, mais c'est surtout une grosse, grosse organisation quand c'est ce genre de... Je là. Ah, voilà, c'est le pied faute. Droit. Petite faute sur Marvin Van Degou. Voilà, on le voit. Lucas Doué-Perret. Et là, coach aussi de l'AS Cugny. Ouais. Il fait partie du staff technique. Le voilà. Et on voit François Lumarie. Les soins sont donnés par Vincent Vaquier, blessé lui aussi. Ah, c'est Vincent qui est là-bas. C'est Vincent qui est là-bas. Ah, d'accord, j'ai pas. Des soins, oui. Je pensais que c'était Lucas. Non, c'est Vincent qui est rentré avec la bombe. Ah, c'est Vincent, t'as raison. Vincent qui est blessé, hein, c'est blessé à la cheville, il n'a pas pu jouer. Les deux bons résultats qu'ils ont fait, deux bons résultats, Cugny. Il y a eu cette septième journée où ils ont été chercher. Une victoire à Juan Nono, il était blessé déjà, Vincent Vaquier. Et puis le week-end dernier, la huitième journée, où ils ont eu un match nul. Ouais, match nul. Face au SN Nejihu. Nejihu un partout, oui. Donc ça leur permet de grappiller quelques petits points pour sortir, essayer de sortir de cette zone rouge. Ouais, on le voit à l'image. Ouais, cette Vincent. Zone dangereuse. Et puis, et bah, comme on le disait tout à l'heure, hein, l'Horizon Patho qui a bénéficié de ce forfait de la part de Juan Nono. Forfait qui est dû temporaire ce forfait. Oui, il est provisoire pour l'instant parce que ils ont la possibilité de faire appel. Cette équipe de Juan Nono, oui. Oui, parce que ils avaient plus de place dû à la fête de l'avocat. Attention, c'est bon ballon pour Jean-Paul Ouamedjo. Bien, ça c'est bien fermé de la part C'est bien défendu. Ouais, bien défendu de la part de Jordan Doué-Perret. Ouais. Dessus, il passe l'épaule et garde l'épaule devant. Voilà, c'est ça. Garde l'épaule à l'avant et du coup ça sert d'obstacle à Jean-Paul Ouamedjo qui a plus de difficultés à passer devant. Donc il a pris le dessus et ça a marché parce que c'est bien défendu. Sorti ce ballon en touche. Bien trouvé, Vaxa sur son pied droit. Voilà. Ouais, ça balance. Ballon dégagé. Qui a mon essai. Attention. Qui va aller chercher Edmond Barouné de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Qui va écarter, il va essayer de trouver. Non, il va revenir vers son gardien. Cette équipe Cugny qui commence à monter. Faire un petit pressing. Léger. Attention, voilà. C'est récupéré. Ça, s'ils arrivent à bien cadrer ces joueurs de Cugny, à chaque fois, il y a ces erreurs... que peut faire cette équipe de l'Horizon Patho et puis qui apporte des situations dangereuses. Ouais. Lorsque le ballon est perdu. Attention, c'est le joueur de Patho de pas trop jouer avec ce ballon au milieu, surtout dans l'axe. Et quand c'est proche du but, pas prendre de risques. Voilà, ce long ballon, il y a une collision entre deux joueurs. Berounet qui est tombé au sol. Edmond Béarounet qui, je crois, c'est Luther. Non, c'est une petite poussette de la part de Mathieu Doué-Perret. Ah, on voit Georges Béarounet qui descend plutôt bas. Très bas parce qu'ils ils n'arrivent pas à progresser. Ce rôle-là, ça doit être Wakanou Mouné. C'est ça, Luther est... Et Nawé Ango qui doivent l'occuper, descendre, François, décrocher, ouais. Récupérer ses ballons et transiter par justement après ce Georges Béarounet, ce Vaxa là en poste de numéro 10 pour que lui oriente, donne ses bons ballons dans les intervalles et tout ça. Là, ce travail-là qu'il fait, ça va
ça désorganise un peu ce milieu et ça va surtout le fatiguer. Parce qu'il descend très bas, il monte très haut, il s'occupe de tous ses coups de pied arrêtés. Ouais, et puis ça peut être compliqué après pour les dernières minutes de. Ça désorganise un petit peu le plan de jeu initial. Après, s'il arrive à faire ça tout le match. On va le voir. On va constater bien, sur ce match. En tout cas, là, ça fait 36 minutes de jeu. Le temps passe vite. Et on est toujours à 0-0 entre ces deux équipes. L'Horizon Patho et l'AS Cougnet. Ouais. Attention. Attention au gardien. Luther qui récupère ce ballon pour Edmond Béarounet. Très mal dégagé. Ça glisse. Ah, ça Marvin glisse. Aussi qui... Ah, c'est ça, c'est l'état ça du terrain qui terrain, il est bizarre quand même. C'est... Bien joué, une touche. Ah, c'est bien joué, une touche. Les courses, après, elles sont y pas. Y a pas ah, les... Ça oh, se parle oui. pas là, peut-être ouais, une main. Y a une oui, main. Une main. Y a une main. Ah, petite panique. Rock. Il faut se parler là. C'est Jordan. Il faut se parler là. Rock, je qui prends... fait la main. Et Jordan. Ouais. Un dégagement sur la main de Rock. Petit couré. On le voit. On va pas chercher à deviner qui va tirer ce coup franc. Je pense qu'on. Ah, je pense que. C'est, ça, je pense que. Ouais, tu vois. Le savoir. Ballon, il a été placé quand même par Sébastien Wachitil. Mais. C'est... Je sais pas. Peut-être, oui. Ah, je pense que ça va être un Béarounet qui va tirer. Ça parle autour du ballon. Eh ben non, c'est Peter Heiwengene. Peter Heiwengene qui reprend ce ballon. Est-ce qu'il va le toucher à l'image. En général, c'est le dernier qui touche le ballon. Qui... Ah, ça peut être des petites combines. Hein. Parce que là, je vois Georges Baronnet, il est concentré là. Ouais, je pense pas. Georges, s'il frappait ce ballon, il le touche. Il faut le placer. Après, peut-être que peut-être me tromper. Peut-être porter à confusion. On va voir. Mais pour l'instant, c'est... Le voilà. C'est ça. Le voilà. C'était Peter, voilà. Oui. C'est Peter. C'est le dernier à avoir touché le ballon, à placer le ballon. Ouais, mais c'est des petites combinaisons qu'ils ont, je pense, mis en place pour pouvoir pour perturber le gardien. Parce que le gardien, il avait eu l'habitude de voir Béarounet Vaxa s'occuper de ses coups francs. Ben là, pour la peine, ça change. Attention, ce ballon vient dévié. Attention. Voilà, faut être propre. Il y a mon essai qui veille au grain. Voilà. Voilà, qui va pouvoir ressortir. Tranquillement avec Edmond Béarounet. Ah, attention, ça va pressing. Presser. Ça presse. Bien joué, Marvin Mandebou. Ballon récupéré. Laisse Cougnet. Un pressing concluant parce que le ballon il est récupéré, mais voilà, aussitôt perdu. Il faut que cette équipe de Cougnet arrive à récupérer ce ballon et le garder un peu plus longtemps. On voit l'image. Offrant. Wegené, du pied gauche qui passe à côté du poteau. Une faute. Je vais vite. Non, il va tout prendre. Tente que l'équipe se replace. Prendre son temps. Il a bien raison. Kemounissé. On va ce bloc rouge qui coulisse bien. Deuxième ballon récupéré par Sébastien. Wachitil, il a joué avec une touche. Jean-Paul. Ouais, une faute. Ouais, je pense qu'il y a une faute, oui. Ouais, une grosse faute. Là, non, sur, l'arbitre ne le signale pas. Sur Dylan. Eh ben non. Il signale une faute, non. Je n'ai pas l'impression. On joue la touche. Je joue rapidement. Vaxa. Ah, c'est bon ballon là de Vaxa. C'est toujours. Toujours un peu vicieux ces ballons comme ça, qui mis fort dans la surface. Quand les attaquants ils font les bonnes courses, couper ces ballons là ça peut être très dangereux. Ah, le ballon reste dans les airs, bien récupéré de la part de Dylan, de François. Oui. François. Ah oui, en haut. Le voilà qui récupère ce ballon et qui écarte sur le côté gauche. Et bien sorti en touche par le défenseur de l'AS Cougnet. Vaxa, bien joué la touche. Ça balance. Au contrôle.
ça balance encore. Ouais. Il faut penser à poser le ballon. On arrive bientôt à la mi-temps. Ouais, les 5 dernières minutes là de ce temps réglementaire où on a eu quand même l'équipe de Cougné qui aurait pu avoir l'occasion d'ouvrir le score, mais qui a manqué d'efficacité. Ouais, c'est vrai qu'au niveau occasion de but, cette équipe de Cougné qu'on a eu un peu plus que cette équipe de Pato, qu'on a pas eu grand chose en occasion du côté des jaunes. Joué Roberto, réussi à trouver Marvin, mais une faute, il obtient une faute. Ouais. Faute de François Mahéné. Non, François Nayoyango, pardon. Ouais, c'est Nayoyango. Là, coup de semelle là, sur le plat du pied de Roberto. Ce pied gauche, il est gaucher lui. Long ballon de Louis Daniel, de Perret. Il va trouver la tête d'Edmond Béronnet. Il est récupéré par de Luther qui écarte. Donc ça, Sébastien Wachetine. Ça a trouvé Georges Béronnet qui va aller chercher de l'autre côté. Ah, c'est ça, voilà. C'est ce qu'il fait. Georges trouvé François. Le ballon perdu est récupéré par. Attention. Bien anticipé de la part de Kiam qui récupère ce ballon qui font tourner. Attention. Ouais, quand on veut faire tourner, il faut être propre, il faut être serein. Oh, attention, voilà, c'est ça. Ballon dangereux. Faut être propre, là. Dommage. Dommage, heureusement que Roberto. Elle doit posséder. Comme je le disais là, si on veut faire tourner le ballon à l'arrière, comme au milieu, il faut vraiment être serein, il faut vraiment être propre dans les transmissions. Surtout quand tu fais ça en défense. Pas trop de pertes de balles des deux côtés là, du côté des jaunes et des rouges. Ah, c'est un match quand même où il y a eu pas mal de déchets depuis, ouais. Depuis le début de ce match, cette première mi-temps. Ouais, des déchets, des mauvais choix. Des transmissions, des contrôles ratés qui font que. C'est difficile de pouvoir produire du jeu beau, juste du beau jeu, oui. Et rythmé. C'est un peu brouillon. Un peu brouillon, et puis on a un boulevard au milieu. Un coup, c'est occupé par les jaunes, un coup, c'est occupé par les rouges. Après, tentative de frappe de la part de Kenny Naou. À l'écran. Sans danger, en réel danger pour une frappe dévissée. Ouais. Trop pris du côté, l'extérieur du pied. Là, on va rentrer dans cette dernière minute de jeu, de temps réglementaire. Belle anticipation de Béronnet qui anticipe tous ses longs ballons. Il saute sans les mains, sans faute. C'est Naou, propre. Vaxa, Georges Béronnet qui a trouvé Luther. Luther qui va aller voir Edmond Béronnet là-bas, qui va écarter justement pour Peter Ayewegene. Non, il revient sur Kiam Mounessé. Il a trouvé Vaxa au milieu, c'est fait. Il fait bien l'appel. Super ballon. Après. Il a plutôt décroché Luther, il y a une incompréhension, Luther qui décroche et Vaxa qui la met dans l'espace. Ouais, on voit un peu Vaxa, Georges Béronnet qui dirige un peu l'équipe, un peu ses joueurs. C'est ça. De la main, un coup à droite, un coup à gauche, ça vient, il fait tourner, il touche beaucoup de ballons. Il a un rôle important dans cette équipe de Passo. Attention Kiam, pas se louper dans ses contrôles, heureusement qu'il y a Edmond Béronnet qui derrière qui suit bien. Oui, c'est une bonne paire, ça. C'est une bonne paire ça se défense centrale. Juste faire attention à ces petites erreurs défensives. Après, c'est clair que c'est l'aspect technique, la transmission. Là, voilà. Bah, fin de cette première mi-temps, Jordi, avec deux équipes qui se sont observées, plus d'action pour l'AS Cougné qui a su récupérer des ballons dus à des erreurs défensives commises par l'Horizon Pato, mais qui n'ont pas profité justement. Et ce joueur, Jean-Paul Ouamedjo, qui n'a pas eu l'occasion de pouvoir avoir une action dangereuse face à Julien Doupéré. Ouais, c'est deux équipes qui se valent, hein, de deux côtés. Après, il n'y a pas encore eu de, de,
vraiment de fond de jeu ou de beau jeu suite à tous ces déchets, ces petites erreurs. Mais on verra ça en deuxième mi-temps. Voilà, donc restez connectés donc sur la chaîne Pacific Plus et la FCF TV Web. Tout de suite, on va revivre la 8e journée du championnat de Super League en images. C'est parti. La 8e journée de Super League, la 5e journée jouée consécutivement et un hommage rendu à notre regretté Marcel Nepeun dit Timash, disparu subitement lors d'une rencontre de Super League Futsal avec son club de l'ASPTT, le football calédonien en deuil. Et cette rencontre Lossi Dumbéa qui se joue du côté de Nouma Dele avec des joueurs de l'AS Lossi qui restent sur une bonne dynamique. Les Oranges qui vont d'entrée de jeu essayer de très vite trouver la faille avec un retour gagnant, celui de Nathanael Mahen, un renfort de taille cette saison pour la SLOSI. Alors que Dumbéa FC réalise une bonne première période, des joueurs de Francis Watron agressifs dans le bon sens du terme et offensivement très dangereux à l'image de Gilles Ranach devant. Et puis Jimmy Watou, le numéro 10 Dumbéa, qui aura réalisé une belle performance samedi dernier. Dumbéa qui retombe parfois dans ses travers avec des pertes de balles dans leur camp. Qui font mal, Willy Reed est tout proche d'aller ouvrir la marque, mais c'est encore une fois Erwan Aosu qui défensivement est irréprochable dans cette équipe de Dumbéa cette saison. Dumbéa qui insiste avec Waya tout proche de tromper la vigilance de la défense de l'ASL. Et là encore une grosse occasion pour Dumbéa à la mi-temps 0-0. Et au retour des vestiaires, les deux équipes qui se rendent un peu coup pour coup. Avec Dumbéa qui va se faire une grosse frayeur, une mésentente entre Waitreux, le portier de Dumbéa, et Aosu qui aurait pu coûter cher. Et puis finalement, à la 61e minute de jeu, la SLOSI va ouvrir la marque. Sur un corner, Robert Waitreux qui marque contre son camp. C'est en tout cas ce qu'a désigné l'arbitre à la fin du match. Un CSC. Et surtout Lossi qui prend les devants, un but à zéro dans cette seconde période. Watou qui insiste pour tenter d'aller égaliser. Alors que l'AS Lossi va procéder en contre. Dumbéa qui aura encore une autre belle opportunité de réduire la marque. Mais en face, il y a encore un Warren Lupa excellent samedi lors de cette 8e journée. Et là, il s'interpose sur cette frappe de Landry Tiaou. Dumbéa ne reviendra pas et Lossi l'emporte 1-0, Lossi est leader au sortir de cette 8e journée. Dans la foulée, Gaïcha accueillait Yengensport. Une équipe de Yengensport qui doute un peu avec deux défaites consécutives pour les hommes de Félix Tagawa. Il fallait réagir ce samedi 29 avril face à l'ASC Gaïcha. Gaïcha qui réalise une bonne première partie de saison, le promu 2023, qui va tenter d'aller chercher son maintien. En tout cas, c'est bien parti pour les hommes de Jonathan Kakou, mais on le sait, tout peut aller très vite au classement. Alors que Yengen va sur cette première demi-heure de jeu profiter de la vitesse de Jordan Wechia et de Amir Oine pour aller bousculer cette équipe de Gaïcha. Une équipe de Gaïcha plutôt bien en place avec notamment sur le côté gauche Renzo Toto intéressant.
Tandis que devant, Jordan Ochia va avoir l'occasion d'inscrire son 8e but de la saison. Il vient buter sur le portier d'Annick Kaese. Énorme occasion pour Yengen. Mais c'était parti remise puisque pratiquement dans la foulée, Cédric Sanso va ouvrir le score à la 36e minute de jeu. Une belle tête du milieu de terrain de Yengen Sport. Yengen qui prend les devants. Et ça va très vite avec notamment Jordan Wechia. À la mi-temps, Yengen mène 1-0 face à Gaïcha. Gaïcha qui va tenter de revenir en seconde période forcément. Avec quelques situations intéressantes. Notamment cette tête non cadrée de Naoloué Kaese. Rokiniken qui est vigilant. Alors que Johan Bako tente une volée hors cadre. Niken encore lui. Impeccable sur cette intervention. Naoloué Kaese qui tente à nouveau. Yengen qui aurait même pu breaker, mais Ivanoé Bami rate sa reprise. Et puis le tournant, c'est ce carton rouge reçu par Cédric Sanso, deuxième avertissement. Il reste 10 minutes à jouer, Yengen évoluera à 10 contre 11. Gaïcha du coup qui insiste pour revenir au score. Et ça va être chose faite sur ce ballon relâché de Rokiniken. Ça revient dans les pieds du numéro 16, Rock Ele Maea. Un but partout. Il aurait dû être signalé hors jeu, le joueur de Gaïcha. On revoit ralenti, il n'y avait pas deux adversaires derrière lui. Il était bien en jeu, mais le but est validé. Roiné, tout proche de redonner l'avantage à Yengen dans la foulée. Et puis une fin de match complètement folle avec une main qui aurait pu pour le coup être signalée. Difficile à juger, en tout cas les arbitres ne donnent pas pénalty. Et le score reste à un but partout. Voilà pour les scores de cette 8e journée qui se jouait le 29 avril avec Tiga défait sur le terrain de Boeva face au Mondor, 1-0. Et donc au classement, l'équipe de l'AS Lossi qui prend les devants, un classement très serré et la lutte qui s'annonce intense en haut comme en bas de tableau. La suite ce samedi. Grand-mère, c'est finalement seul que je ferai route vers toi. Les liens du sang et les liens du cœur. Même si des années ont passé, pour moi, t'es mon petit frère. Vous m'avez nourri la nourriture pour manger, mais aussi la nourriture pour l'esprit. Maintenant, ben voilà, tu es devenu un homme. Venir chez nous pour remercier, ça représente beaucoup. Anthony est reconnaissant de ce double héritage. Ce qui nous lie, un documentaire Canal+ original, jeudi soir sur Canal+. Allez, oui. Retour à Nouma Dele, toujours en direct donc, sur la chaîne Pacific Plus, mais aussi sur la FCF TV Web. TV Web. Sur ce match, on a pu voir une première mi-temps mitigée où il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de fautes, pas mal de déchets techniques entre ces deux équipes, mais on a vu quand même des choses intéressantes. Il y a eu des actions qui... Qui aurait pu conclure par un but, ouais. Se concrétiser en but, notamment pour l'AS Cougné, ouais, l'équipe de François Louis-Marie. Ouais, sur pas mal de petites erreurs défensives qui auraient pu coûter cher à cette équipe de Pato. Donc ouais. Cougné qui n'a pas pu être décisif, mais voilà quand même. Après ça joue quand même pas mal. Pas mal de petits déchets techniques des deux côtés. Donc on va voir ce que les coachs et comment les joueurs vont se parler au vestiaire et la mentalité qu'ils auront pour cette deuxième mi-temps. On a une petite info
On va revoir là les actions de cette première mi-temps avec l'engagement qui a été donné par l'AS Cougnier. Là, c'est le ballon de l'organisateur Georges Béarounet. Ouais, un gros rôle qui... là, cette équipe. Petite frappe de Marvin Vandégout. Sans réelle difficulté. Voilà. Et puis cette erreur. Ouais, cette erreur. Qui a profité à Narcisse Cotereux pour ce face-à-face. Non concluant, mais quand même c'est bien une phase de but suite à le une erreur. Ouais. Était, le voilà. Cette bicyclette de Edmond Béarounet, récupérée par Narcisse Cotereux. Puis ce petit ballon à moitié piqué qui n'est pas monté correctement. Et puis qui est maîtrisé en deux temps avec Wea. Franck. Là, sans problème. Adapté, ouais. Coup franc excentré, frappé par Roberto Nehere. Et puis c'est encore une pareil, une erreur qu'aurait pu profiter à Mathieu Doué-Perret. Mais encore une fois, techniquement, il y a eu pas mal de déchets, comme on le disait tout à l'heure. Ce coup franc. Oui, passe à côté du poteau. Passé à côté par Peter Haiwengene, frappé. Ouais, côté du poteau, voilà. À côté du poteau gauche de Julien Doué-Perret. Sous un autre angle. Donc un retour au vestiaire pour cette première mi-temps avec un score qui reste vierge. Ouais. 0-0 pour les deux équipes. On a une info, Jordi. Oui, on a une info qui nous vient de Boulari. Boulari, avec, pour ton équipe actuelle. Damien. Une info score, oui, une info score qui nous a été transmise par l'équipe avec un score de 3-2 pour l'équipe de Dembéa. Donc Mondor qui est tenu en échec pour l'instant chez eux. Rien n'est joué, il reste encore quelques minutes, temps. Je pense, de jeu. Le de match jeu. Il a commencé à 14h. Oui. Et pour le moment, Dembéa fait une belle opération. Fait la belle opération, exact. Donc ça va peut-être leur permettre de sortir, je ne sais pas, de cette zone très rouge. Donc ils sont 11e au classement, hein, avec 14 points. Ouais. Donc sur les 8 matchs joués, ils ont quand même 6 défaites. C'est ça. Et 2 victoires. Ça pourrait leur faire une troisième victoire. Et puis le Mondor, qui était deuxième au classement, on va attendre le résultat. Attendre le résultat, ouais. Mais va peut-être descendre de classement de la deuxième marche. Hein. Oui, oui, de toute façon, c'est sûr que Mondor, s'il y a une défaite, ils vont sûrement descendre. Voilà, le stade, avec ses fidèles supporters, ils sont là à venir justement... apporter leur soutien à leur équipe ou aux équipes, essayer de voir du beau jeu ou de voir de la famille évoluer sur le terrain. Ouais, encourager la famille, encourager les amis, les collègues. Et surtout, je pense que ça va commencer à se remplir parce qu'il y a une belle affiche. C'est ça, à 17h30, c'est Tigasport AS Magenta. Tigasport qui est en difficulté, hein, qui est dans cette zone rouge là. C'est vrai que sur ces derniers matchs, ils n'ont pas été fameux avec deux défaites d'affilée. Oui, deux défaites. La première face à Lassi, 2-0. La deuxième face au Mondor, hein, justement. Ouais, 1-0 la semaine dernière, la 8e. La semaine dernière, c'est ça. Et puis l'AS Magenta sur 3 victoires d'affilée. Ouais. Voilà. En battant Yengen Sport. On a Germain Ewengene qui a quand même ouvert son compteur but 3 contre Yengen, 2 contre l'AS Wetsch le week-end dernier. 5. Exactement. Les supporters de l'AS Tiga ont parlé. Hein, on les voit déjà là. On les voit, les rouges et blancs. Hein. Qui vont s'apprendre prendre les sièges, les meilleures places. C'est ça. Ouais. Et puis on a toujours ce beau décor là en face, là, avec la réfection de la piste. La piste pour le. Monsieur John qui est là. Ouais, du coup les joueurs qui font le tour de ces barrières. Comme on le voit à l'image. Les remplaçants de l'AS Cougnier qui se redirigent vers le banc. Et notre capitaine de Pato. Georges Béarounet. Alors l'horizon qui quatrième de ce championnat qui va espérer. Pour lui, comme il me disait, Auguste Wachitine, c'est un match clé pour eux parce que ça va leur permettre de sortir, de sortir très loin de cette zone rouge et puis essayer d'aller un peu plus haut dans ce classement en ayant un match en retard à jouer contre Tigasport à Marais. Ouais, comme on le disait, ouais. C'est vrai. S'ils arrivent à engranger des points, alors que le cas de Tigasport, ils sont en train de. Justement, avec ces deux matchs en retard, ils étaient deuxième. Maintenant, ils descendent de plus en plus sur la 9e place. En tout cas, les joueurs qu'on voit à l'écran avec emmenés par Kian Mouanessé, son défenseur, ces joueurs ont envie justement
de montrer qu'ils ont les capacités, oui, malgré les difficultés qu'ils peuvent traverser avec. On en parlait tout à l'heure, ces séances d'entraînement, ces groupes qui sont séparés. Ouais. Là, on voit le Steve Wahopi, le numéro 2, là, qui devait jouer, c'est Dylan qui joue, Maene, lui, il est resté à l'IFU. C'est des contraintes que le coach Washington devra prendre en compte et devra gérer ça à chaque match. On l'avait dit avec Romain le week-end dernier, c'est l'écart de points entre le premier au classement et le dixième au classement n'est que de 8 points. Donc 8 points, c'est pas grand-chose. Ah, c'est deux victoires, c'est rapide. Ouais, c'est deux victoires, c'est rapide. Ça peut aller très donc, vite. Le championnat, il peut changer. Tu peux être premier. On doit à la 7e journée et descendre 10e en deux journées. Il y a 3 journées de ça. Tiga Sport et Yengen, ils étaient devant. Et là, aujourd'hui, Tiga est 9e, Yengen est 3e. Et les premiers, c'est l'AS Lecce aussi, qui était à un moment, je me souviens, 7e. c'est ça. Mondor qui était aussi pas bien dans la 7e place. Et donc là, ils se retrouvent en tête de classement. Donc cet écart de points-là, il est intéressant pour nous parce que ça nous fait vivre du beau football avec des rebondissements chaque week-end. Oui, et puis l'enjeu, il est encore plus important cette année parce qu'il y a ces cinq barragistes ou ces deux descentes définitives. Direct, et puis ces trois luttes pour le maintien qui vont devoir se jouer à la fin de la saison avec les trois provinces là. Province Nord, province Île, province Sud. Avec un match pit final, quoi, une finale. C'est pour voir les monter et les descendre. Donc oui, cette année, c'est un championnat à gros enjeux. Donc, les équipes, tout à l'heure, on parlait que ça montait, ça pouvait descendre. Ça y est, c'est parti. Monsieur Marmont a donné le coup d'envoi pour cette deuxième mi-temps. Et voilà, l'emballant de Kim Wenese qui finit sur les barrières. On a la confirmation du côté de Boulari, de la victoire de Dembéa. Ah ben voilà, Dembéa qui réussit à tenir un échec justement en allant chercher une victoire. Au Mondor, c'est irrégulier. Un coup ça gagne, un coup ça perd. Donc, Mondor, ils sont pas très stables au niveau des résultats, mais tenu en échec là aujourd'hui par l'équipe de Dembéa. 3-2 sur le stade de Boulari. Voilà. Ça, c'est le premier résultat de cette 9e journée de Super League. Dembéa qui bat l'AS Mondor. Allez, retour au match avec ce corner de Neuré. Roberto. Noéré qui trouve personne sur ce corner, sur ce coup de pied arrêté. Ça va être une touche. Encore une longue touche. Longue touche. Sûrement. Pour Philippe Vakoumé. C'est comme un corner. En fait, là. C'est une longue touche et forte. Oui, je crois que je vois Manu sur le terrain. Il est rentré. Oui. C'est ça, Gianni. Numéro 13. Ouais, bien joué Jordi. À la place de. Il est rentré à la place de. Alors Jordi, il a dû rentrer. Gianni, il est. Narcisse, il est toujours là. Beau contrôle. Ouais, super. Avec la petite ballon. Petite louche là. Bien joué de la part de Georges. Dommage, ça n'a pas de suite à ça. Récupération. Par côté. De Cougnier. Ah, ça demande leur jeu et leur jeu sera sifflé. Ouais, ils ont toute la ligne de défense a levé le bras en même temps. Non, Mathieu il est là, Mathieu Dopéré est là. Il rentre à la place à qui Marvin. Monsieur Manu. Marvin. Non, il était là, Marvin aussi. Non, c'est Marvin. Marvin Vendegou qui est sorti. Ah, c'est Marvin Vendegou qui est sorti. Et Gianni Ogneux qui est rentré. Voilà. Sortie de Marvin Vendegou et entrée en jeu. Je crois que c'est le petit contact qu'il a eu tout à l'heure. Il est resté au sol. Il y a un problème. Non. Ah, un drapeau s'est levé. Il y a un drapeau qui se lève. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça allait jouer. Non, je sais. C'est un hors-jeu. Hors-jeu, oui. Ouais. Hors-jeu signalé. Ouais. Donc Marvin Vendegou, je pense qu'il a. Ouais. Je pense que Marvin Vendegou est peut-être encore. Je vois pas le hors-jeu. Pied, un pied douloureux, mais l'entrée de Gianni Magneux, je pense, va apporter. Un peu plus d'efficacité offensive du côté des rouges, à voir. Après, la profondeur, est-ce qu'ils vont pouvoir la trouver avec un Narcisse Coutureux.
On connaît la vitesse et l'efficacité de Magneux. Ah, bien joué. C'est bien joué, ça se trouve. Ballon au-dessus de la... C'est bien joué. Ah, c'est super ballon. Sur Remedio. Malheureux qui n'a pas bien dosé. Un peu trop appuyé. Ouais, un peu trop appuyé. Mais c'est bien joué quand même. C'est un ballon, bon ballon pour Magneux. Pour Gianni Monmieux et bien coupé de la part d'Edmond Berrounet. Qui vient rassurer sa défense, encore une fois. Touche. Touche sur le jaune. Ah, esselé, Georges Berrounet. Ah. Ah, coupé, sans faute. Il a défendu. Gabriel Akoumé. Attention à ce petit ballon là. Attention à ce. Oh. Pas de hors-jeu, dommage. Pas de hors-jeu. Un peu trop. Ah, si. Ah, si. Ouais, il attendait que le joueur touche le ballon. C'est la règle. Le drapeau se lève à la touche du ballon. Voilà. Bien vu. Hors-jeu du bras. Du bras ou du pouce. Ok, le Real me dit non. On va l'écouter. Il a meilleur œil que nous. Il n'y avait pas hors-jeu. Mais l'arbitre, il a décidé autrement. Ouais, c'est l'arbitre qui voilà, a le dernier mot de toute façon. Attention. Attention, attention. Ça va vite. Bien dégagé. Il est bien pressé parce qu'il récupère une touche. Une touche dangereuse pour Cougnet. Une touche bien placée pour cette équipe de Pato. Pardon. Dylan Mahéné. Voilà, il va trouver un petit corner. Un petit corner. Coup de pied de point. Coup de pied de coin. Frappé encore par notre ami. Pas que ça. Georges Berrounet. Avec la montée de Kiam. Ils savent que sur ces coups de pied arrêtés, avec la patte gauche de Berrounet, ils sont toujours intéressants. Et puis il y a le vent, ils ont le vent. Ouais, il y a le vent. Avec eux. Le voilà, ce c'est ballon frappé. Intéressant. Narcisse Cotteret qui récupère ce ballon. Bien joué pour Gianni. Derrière, bien joué encore. Gianni qui va trouver Narcisse Cotteret. Ballon laissé pour Roberto. Oui. Sur sa gauche. Ça va vite, ça va vite. Il a Mathieu Doué-Péré qui trouve de l'autre côté. C'est dommage, c'est dommage. C'est toujours ces derniers ballons qui demandent le plus d'application. C'est ce genre de ballon, c'est cette dernière passe. C'était bien construit, ça allait très vite. Mais voilà, il faut s'appliquer jusqu'à la dernière passe. Très important. Ouais. Si on veut avoir le dessus. Attention, après, ballon, parce qu'il va très vite, Jean-Paul Loamedio. Faut se parler. Ah. Attention. Ce but de la part de Kenny Naou. Kenny Naou. À la 51e minute. Ouais. Kenny Naou qui marque le premier but. Ce petit ballon cloche de Berrounet. Ouais. La course des deux attaquants, justement, qui se sont parlé parce que Wamedzo a décroché de la course. Parce que sinon, il se serait gêné. Voilà, on va revoir ça. Ce petit ballon. Bien joué de la part de. Et Wamedzo qui s'arrête net et qui laisse son camarade y aller pour justement le mettre ce ballon au fond des filets. Donc voilà, ouverture du score de la part de Kenny Naou sur une passe. De Georges Berrounet, voilà, à la 51e minute. Horizon Pato qui ouvre le score. Voilà, voilà, les compteurs. Donc on retrouve Georges Berrounet à son poste, ce rôle-là, qui doit distribuer ses ballons intéressants pour ses attaquants. Il suffit d'une. Et voilà. Ça donc, permet à l'Horizon Pato de. Ouais, d'ouvrir le score. On voit. De mener et puis. D'essayer de gérer ce match après, mais attention, hein, parce que comme il le dit, Auguste Wachetine, c'est une équipe qui a du mental, ouais, qui a des ressources et qui est capable de renverser, retourner. Attention, on revient à la faute. Un match. Ouais, cette équipe de Cougnet qui joue vite, qui balance vite devant. Attention, ouais, Edmond. Berrounet qui est pris. Par Narcisse Cotteret. Attention. Il a voulu jouer vite Gianni, ça revient sur Peter Wengene qui trouve Vaxa. Il va chercher Sébastien Wachetine, ça dédouble. C'est bien fait dans le dos. Kenny,
Ça libère l'espace. Nao, le buteur. Qui obtient une touche ou un corner. Une touche. Le ballon a tapé sur le poteau de corner. Donc ça sera une touche. Donc voilà, hein, c'est... En première mi-temps, on a vu une multitude d'occasions dangereuses pour l'AS Cougné, ouais. Dû à des erreurs donc techniques, hein, de la part de Lorenzo Pato. Et puis là, en deuxième mi-temps, eh ben, on se retrouve avec à la 51e minute, Lorenzo Pato qui mène au score. Ouais. Peter Ewegele. Pour cette touche qui sera, je long pense, longue. Ouais. Là, voilà, cette touche. Attention, prise de balle, elle est bonne. Attention. Partir, côté gauche. C'est là, c'est trouvé. Mathieu Doué-Péré. Néo Hiré qui change complètement vers Gianni Monmieux. Qui va essayer de trouver Narcisse. Ouais. Bien joué. Bien joué de la part de Kiamou Nissé. Oui. L'autre côté, Wea qui va trouver Peter Ewengene. Gabriel Vakoumé qui met ce ballon en touche. Ouais, ils prennent leur temps, les joueurs de l'Horizon Pato maintenant. Plus précipité. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Pato elle a cette petite avance au score qui fait que ça peut prendre plus le temps de construire, de faire tourner. Il ne faut pas non plus tomber dans cet excès de confiance, mais je pense pas que les joueurs de Pato. Après, là, il va falloir gérer justement la gestion du score. Ça, c'est cette gestion du score qui va être importante pour l'Horizon Pato. Et puis derrière, la Escougne, elle, va devoir opérer un peu plus d'animation offensive. Ouais, monter le rythme. Ouais. Et puis après, la difficulté, c'est ça, là. Ça va ouvrir. Ça va ouvrir et ça va donner des espaces si l'AS Cougné va tenter d'essayer d'égaliser. Donc, ils vont se découvrir. Et donc ça peut être aussi à double tranchant, mais on verra. Il nous reste encore 35 minutes de jeu. Le bon pied gauche. Sans problème. Voilà, qui sécurise. Rachetin. Compréhension de la part des Jean-Paul Wamedjo et Georges Berounet. Ah, c'est perdu trop vite. Ouais. Les deux côtés. Alors, au milieu, il y a un bon bar pour l'Horizon Pato. Dommage. Et après, il y a encore ces déchets techniques. Bien joué. J'arrive pas à se défaire depuis le début du match. Que la mettre. Couturier, ça va vite. C'est Roberto qui la demande, trop tard. Il la demande avant. Gianni qui récupère ce ballon qui va aller. Attention, dommage, la transmission, c'est ça. C'est beaucoup de déchets. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait bien. Faute. En tout cas, c'est sifflé. C'est sifflé. On revoit ça. T'avais vu juste, il n'y avait pas de faute, mais c'est Monsieur Marmont qui commande sur le terrain. Ce pied gauche de Berouni. Ouais, c'est d'aller trouver trois joueurs entourés de six joueurs de l'AS Cougné. C'est bien frappé. Raoult. Voilà, c'est un joueur de l'AS Cougné qui touche ce ballon. Roberto qui récupère, qui essaye de trouver Mathieu Doué-Péré. Mais c'est bien gardé par Kiamou Nissé. Et c'est récupéré même par cette équipe de Pato. Ah, qui obtiennent la touche. Ouais. C'est bien défendu. C'est bien, ça se parle beaucoup du côté de Pato. Un capitaine qui donne des instructions. Important la communication. C'est même bien récupéré, Roberto. Roberto qui joue bon long. Ballon. Ouais, bien joué. Ouais, belle couverture. Bien couvert. L'Edmond Béarounet qui veille à sa charnière défensive.
Berto. Ah. Berto qui glisse. Met les pinceaux. Attention, ça c'est un bon ballon ça. Un peu trop vers l'intérieur. C'est bien défendu aussi de la part de Ticouré. Là qu'il aurait dû utiliser son petit extérieur Laxa pour donner un effet pour que le ballon sorte du défenseur plus qu'il arrive, qu'il rentre dans l'axe, sorte de l'axe mais se déplace vers l'extérieur. La touche, vite joué. Ah, drapeau levé. Ça, hors jeu. Je rappelle hein, pour cette journée, donc cette 9e journée du championnat Super League, on a 5 matchs qui vont se disputer aujourd'hui. Là, ah, on a eu un résultat déjà qui est tombé entre l'AS Mandor et Dembéa FC. Faire venir le soigneur du côté de Pato. Je pense que c'est Wamidzo qui est resté au sol avec un contact avec le gardien. Ah, c'est la tête. Bien, Doué Péré, ouais. Et donc, je disais l'AS Mandor qui a été défait à la maison par le Dembéa FC, alors que la semaine dernière, ils avaient fait un très bon résultat face à Tigaspor, justement. Ils avaient gagné 1-0. Il y a un match à Yoshida avec Yangen. Revoilà. Là. Ouais, c'est le coup de Julien Doué Péré qui vient heurter sur le nez de Wamedjo. Tu vas l'utiliser avec un premier résultat. Ouais et puis non, je dis Yangensport à 15h au stade Yoshida. Ça a commencé, ça fait une heure que ça se joue. Comme Anase, où Juan Ono accueille l'Ossi. Et puis bah, demain, le match de l'Ice Wedge à 14h face à l'Ice Gaisha au stade Noumadele. Oh, une petite pied en l'air, c'est pas sifflé, ouais. Encore Edmond Berounet. Edmond Berounet qui est. Fermé tout ça. Ouais, c'est costaud derrière défensivement avec Berounet qui prend tous les ballons à la tête. Ouais, ils ont une bonne charnière centrale, ils arrivent à être vraiment cohérents dans leur déplacement Kiam et Edmond avec cette couverture mutuelle où on a un, et puis ils arrivent à bien coulisser. Parce qu'ils ont chacun leur rôle. Berounet s'occupe des ballons aériens un peu plus que Kiam. Il a ce timing et cette bonne synchronisation aérien donc qui fait que. Il promet à la tête sur tous ces ballons aériens que l'AS Kounia essaye de tenter par-dessus. Il faut des solutions là pour Peter. Ça bouge pas trop. Bouge pas trop du côté de Kounia, voilà. Bien joué. Ballon dévié pour Kedinao qui trouve au deuxième poteau Jean-Paul. Mais non, c'est bien touché et c'est bien défendu. Du pied de Jordan Doué Péré qui met ce ballon. Ouais, ça c'est joué à la sécurité. Très peu, mais ça joué à pas beaucoup. Une bonne déviation là de Berounet. Ouais, là, pas le choix. Sécuriser ça et la faire sortir. Le vent qui commence à souffler un peu. Bonne occasion de but pour Pato. C'est frappé rentrant. Et c'est but. Et voilà. Georges Berounet. On l'a dit. Directement. Avec ce pied gauche. Et voilà le vent voilà, avec lui. Son pied gauche qui est très 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 habile. Je l'ai signalé juste avant que le vent venait de se lever. Voilà. Il a choisi le bon moment pour frapper. Il a tenté rentrant et elle est rentrée. Voilà. Bien frappé. On voit ça. Ouais. Très bien frappé de la part de Georges Berounet. Il y a toujours donc ce pied gauche qui est très, très soigné, très appliqué. Et voilà, buteur aujourd'hui. Georges Berounet, Vaxa. Second but, 62e minute pour l'Horizon Pato. Ouais, Pato par qui. Par son capitaine, Georges Berounet. Qui se met un peu dans cette zone de confort maintenant, avec ce deuxième but. Oui, hein, c'est jamais fini. On est à l'heure de jeu. Et... Non, et surtout avec cette équipe de Kounia qui est. Cette équipe battante. C'est ça. Mais au milieu. Bien joué, ça écarte là-bas. Ils arrivent à. Bien vu.
à mieux gérer les joueurs de l'Horizon Pato qu'en première mi-temps. Encore, c'est encore, il y a un boulevard. Nice. Tergiverse. Ça dégage quoi. Permet à Jordan Doué Perret de dégager ce ballon. Comme il veut. Touche, voilà. Le bon contrôle. Ah ouais. À Georges Baronnet, là, cette supi gauche, là, avec cette facilité à ça, éliminer les joueurs. Ouais. Sur un contrôle. Très bien fait de sa part. Et grâce à ça, il obtient un coup franc. Encore là, on est aux 30 mètres. On revoit. Tac sur le contrôle. Faute. Pousse à le joueur de Cougnet de faire la faute. Ah, dommage, il a essayé de la mettre fort. Peut-être au point de pénalty, je pense que c'était son intention. Un peu dévissé. Ça sort en touche pour Cougnet. Qui repère tout de suite le ballon. Il faut pas perdre ce ballon. Bien joué. Bien le retrait. Non. Il a essayé de tomber, mais l'arbitre était bien placé là. Je pense qu'il y a faute. Ouais. Ça réclame des cartons. Ça joue rapidement. C'est le moment qui sort un carton de sa poche. Le joueur à l'ordre. C'était qui Renaud Mounet Luther et le voilà. Ou non. Non, c'est Georges. Georges Baronnet. Il n'y a pas de faute. Allez, c'est reparti avec Gabriel Vakoumé. Un long ballon. Tout de suite récupéré, oui. Récupéré par Kenny. Là, Kenny Naou. Ça a bien joué. Bien joué pour Peter Haiwengene qui va qui trouver s'applique. De l'autre côté Jean-Paul Wamedjo. Jean-Paul Wamedjo. Il avait quand même un soutien qui est arrivé avec Dylan Maenem, mais il a décidé. Il a essayé le petit geste technique qui était bien tenté, bien réalisé. Dommage que ça ait été. Ça n'a pas abouti parce que c'est bien défendu aussi, mais là, ce petit geste là, il faut le faire. Ah, il avait un soutien quand même, il aurait pu mieux faire. Il avait d'autres solutions. Bah, c'est son choix. C'est bien tenté. Il obtient un corner quand même. Donc attention là maintenant. Encore Georges Baronnet au même endroit, avec le même vent. À faute vigilant. Voilà, c'est retenté, pareil, c'est bien même. Tapé. Ah ben, voilà, récupéré par Narcisse Cotereux. Et là, tout c'est de suite, bien défendu. Tout de suite, ils sont là, les joueurs d'Auguste Wachetine, notamment Naoué Ango. Joueur, Naoué Ango, François. Ouais, qui fait un beau match avec aujourd'hui. Là, oui, qui a tenu. À la place, c'était Johan Béarounet qui devait évoluer à ce poste. Et puis, bah. Il y a eu un changement. Ouais. Il joue bien son rôle. C'est récupéré Cougnet. Ah, c'est perdu. C'est balancé trop vite. Cougnet, il faut qu'il fasse le bon relais, récupération, transition. Parce que ils font l'effort. Ils font l'effort de récupérer ce ballon. Après, il faut savoir temporiser, construire pour pas le perdre aussitôt. Tu refais l'effort pour le récupérer, c'est beaucoup d'efforts lors d'un match. Après, c'est la gestion des efforts qui fait que. Dianimant mieux, trouve Gabriel Vakoumé qui va revenir avec son gardien. Non. Voilà, attention. Décidé, c'est ça, c'est dangereux. Ballon. Oui. C'est tenté. Oui, c'est tenté. C'était bien. La part de Georges Béarounet. Ouais, il a ouais. vu. Bien vu de la barre. Julien Doué-Perret avancé. Belle tentative. Ouais, bien tenté de sa part.
premier coup, un geste directement. On voit cette action à Julien Dopéré qui a été vigilant sur ses quelques pas en arrière. Christian Cougné qui subit une faute, qui gagne une faute. Oui. C'est bien fair play. Il va prendre un carton, il n'a pas respecté la distance. Et voilà. Deuxième carton. Sébastien Washington. Si c'était à deux changements, on voit Eric Pougin avec son petit carnet. Noter la sortie de Jordan Doué-Péré et de Philippe Vacoumé qui a laissé sa place à Patrick Cotereux et Vincent Coité. Et voilà, Vincent Coité et Patrick Cotereux. Ouais, c'est du poste pour poste. Poste pour poste. Un joueur qui va évoluer derrière à gauche, le flanc gauche défensivement. Et un autre, c'est Milan au milieu. Corbert Rounet à la tête. Il va la mettre. C'est il fait. La mise. Il n'y a pas de hors-jeu. Il y a hors-jeu. Ah, il y a si, hors-jeu y quand même. Le drapeau s'est levé. Il va très vite. Le drapeau s'est levé, monsieur Mormont n'a pas vu. Ah si, ça y est. Encore Georges avec ce ballon. Première attention. Appliqué. Ah, il n'est pas hors-jeu. Hein. Non, il n'y a pas d'hors-jeu, c'est vrai. Attention, Edmond. Attention, Edmond, parce qu'il va très vite, le petit. Attention, c'est zéro. Ballon perdu. Dans... Petit pont. Petit pont. Commence à être un peu brouillon. Et voilà. Ah. Ça mise un peu avec son pied. Ça relance vite au sol. Ça repart. Côté droit, bien joué. Bien fait. Il faut croiser les courses. Bien joué. Faute sur Kenny Yahou. Alors, je rappelle, hein, 70e minute. On est en direct sur la chaîne Pacific Plus, mais également sur la FCF TV Web où. En ce moment, l'Horizon Pathau mène de 2-0. Le premier but de Kenny Naou à la 51e. Et puis Georges Béarounet sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Aggrave le score et porte le score à 2-0 pour cette équipe de l'Horizon Pathau. Ouais, sur un corner rentrant directement. On le retrouve encore à la baguette sur ce coup franc. Corkspi gauche. Dangereux, on peut dire qu'il est dangereux. Cet endroit. Oh. Dommage, ça s'applique pas. Quand le vent est tombé. Le vent est tombé. Il y a moins de vent. Ouais, ça joue court et rapide. Côté de Cougné. Qui va chercher Narcisse Cotereux loin. Le vent. Ouais. Apparemment, il y a une faute sur Edmond. Béarounet. Il fait pas exprès, mais il marche sur le pied, je crois. Oui, c'est ça. Narcisse Cotereux. Mais... Ouais, c'est une belle opération que réalise là. C'est vrai. Auguste Washington avec son équipe. Hein, où, déjà quatrième au placement, oui. Ouais. Avec cette défaite du Mandor, l'Horizon Pathau. T'as 25 points et passe à la deuxième place. On ne sait pas encore si vous avez des infos sur le match, les matchs qui sont en cours du côté de Yoshida ou au stade de Nassé. N'hésitez pas à nous les transmettre. Bien joué, l'axe. Bon contrôle. De l'autre côté, bien joué. Il a vu Luther. Ouais. Non. Il a été voir Jean-Paul. Et c'est bon, il est bon ce ballon pour Jean-Paul Ouamézou. Qui va se mettre la frappe. Ouais, bien couché. Oh, c'est voilà. Bien frappé. C'est très bien frappé. Un doublé. Ouais, doublé. Le doublé. Ah, il se couche très bien sur le ballon. Le doublé. Béarounet. Georges Béarounet. Ouais, qui la prend bien de l'extérieur. Et ce voilà. Ballon, il fait cette belle course là, tournante du côté gauche qui rentrait dans, à côté de ce poteau. Et il la prend très bien, Georges Béarounet là.
Après, il y a quand même eu du laxisme dans l'axe. Ils étaient statiques, les joueurs. Hein, ouais, parce que, mais Joe, là, on voit, il va contrôler le ballon. Tranquillement, ils sont quatre autour à le regarder. Il va frapper et derrière, le ballon revient sur eux, alors qu'ils sont trois, quatre dans la surface, ouais. Qui permet à Georges Béarounet d'aggraver le score. Après, il faut la mettre en une touche. Et là, il a réussi à la mettre. Mais après, on sait que ce joueur-là, il a un très, très bon pied gauche. Donc, c'est pas étonnant. Bien joué. Ça va être plus difficile. Là. Difficile pour l'AS Cougnet de revenir au score. Essayer de renverser la physionomie du match. Oui, parce il reste que à peu près un quart d'heure. C'est une mauvaise opération pour l'AS Cougnet qui est situé dans la deuxième partie du tableau. Donc, Attention, costaud. Béarounet, sans faute. Ouais, Luther Wakanumune qui font un gros travail au milieu de terrain pour cette équipe d'Horizon Pato. À récupérer Sébastien Wachetin. Dégagement. Capitaine Coité, carte sur le côté gauche, Narcisse de l'autre côté, côté heureux, le ballon sort en touche. Heureusement, ça. Il y a un nouveau changement du côté de l'AS Cougnet avec les rentrées de Dominique Vaquier et Devanael, peut-être au côté heureux. Ouais, un double changement, peut-être pas. Non, juste un seul. Vraiment. Il va y avoir que Dominique Vaquier qui va prendre la place de Narcisse. Côté heureux qui aura eu en première mi-temps possibilité de marquer. Et puis de l'autre côté aussi, hein, Luther qui sort. Qui va laisser sa place à Jacob Wachetin et Bernard Wawia aussi. Voilà. Sortie donc de Sébastien Wachetin et de Luther Wakanumune. Ouais, le coach François Louis-Marie qui essaie de miser un peu plus sur l'attaque, qui amène du sang frais sur cette attaque pour essayer de apporter un peu gros impact offensivement. Il y a déjà cette entrée de Gianni. Gianni à la mi-temps, hein, qui est rentré à la mi-temps directement. La place de Marvin Vendégout. Il va être blessé, on le voit. Luther, qui a fait encore un gros match aujourd'hui, permis à cette équipe de l'Horizon Pato. Il n'est pas encaissé de but aussi. Ça s'y met. Ouais, ces changements qui n'ont pas vraiment porté ses fruits à quelques occasions, quelques moments, mais après c'est vrai que cette équipe de Pato est en place défensivement. Donc difficile de trouver des brèches. Ah, tu vois là, contrôle, le temps de se retourner, d'orienter. Bien fait en une touche. Ah, il y a une faute, ouais, là il y a bien une faute. Faute sur Kenny. Naou, le premier buteur. Premier buteur, Kenny Naou. Voilà ce ballon de Peter Haïwengene. C'est bien, ça essaie de jouer en une touche, de se trouver. Voilà, faut juste être un peu plus. Ça, Bernard Wawia. Un peu plus d'application, mais dans l'idée, c'est bien de jouer en une touche. Quand on peut. Petit couré. Défenseur central de l'AS Cougnet. Un long ballon dans la surface. A trouvé Louis Daniel Koumé. A récupéré par Dylan Maené qui obtient une touche. À moins d'un quart d'heure de jeu. Pour l'instant, l'Horizon Pato
fait la très belle opération. Ouais. Aujourd'hui. Bien fait de Cam. En menant pour l'instant 3-0. Attention, parce que là, on est à du 4 contre 1. Bien joué de la part de Cam Wenessé. Même s'il fait faute, il va permettre. Attends, faut. Bloque cette opération. Faut se replacer. Faut se replacer très vite. Ça part du côté droit. Gabriel Vakoumé qui va chercher au deuxième poteau. Il s'applique. Et encore qui a moins laissé. Ah, il y a une faute, oui. Faute sur Jake Naweango. Voilà. Jake François. Oh. Ce duo derrière, la Berouné, Wanessé, très complémentaire. Ça se trouve bien, ça communique beaucoup. Qui anime au mieux, qui a vu de l'autre côté, parti chercher Mathieu Doué-Péré, Boité, Daniel. Et qui s'en sort. Voilà, pas perdre ses ballons. Côté. Jouer. Jouer encore. Là, c'est ses derniers ballons là, qui sont importants. Il est voilà. Tout seul. C'est ses derniers ballons qui sont importants. Voilà. Et voilà. Quand on s'applique, ses derniers ballons, après c'est. Gianni Monmieux. Ça va au fond. Qui vient réduire le score pour l'AS Cougnet. Avec ce très beau service. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ces dernières passes qui sont, quand elles sont appliquées, elles sont millimétrées. Après, tout le gros travail est fait. Ouais. Ballon de Doué-Péré. Ouais, Doué-Péré là, qui s'applique bien pour la laisser au sol. Et Manu qui a juste la poussée au fond. Donc, qui rentre à la mi-temps et qui marque son but. Buteur. Edmond Béarouné. Côté gauche au milieu qui va trouver le petit Jacob Wachetin, chercher loin. Naou réussit pas à toucher ce ballon. Mais non, dégagement de Julien Doué-Péré. Ah, c'est le genre de ballon qui est perdu trop vite. Il l'a vu au deuxième poteau. Dommage, je l'avais vu. Attention. C'est joué vite, ça repart côté gauche. Ouais, il a eu. Faute de Roberto Neuré. Moins de 10 minutes. Avant la fin du temps réglementaire. Voilà. Maîtrise de Daniel Coité au milieu, le capitaine de l'AS Cougnet. La touche, il me semble que c'est la touche pour Pato dans leur camp. Voilà le score, l'AS Cougnet 1, Horizon Pato 3, il nous reste 8 minutes à peu près. On voit François Loumari qui demande à ses joueurs de participer plus sur l'aspect offensif ou d'aller très haut pour essayer de récupérer ce ballon. Il y a encore moyen de revenir. Oui. Sur cela, il faut surtout avec cette équipe de Cougnet qui lâche rien jusqu'à la dernière minute. Oui. Après, c'est vrai que. Attention. C'est vrai qu'on sent cette petite fébrilité défensive avec l'absence de Vaquier. C'est vrai que Vincent Vaquier, on trouve quand même qu'il manque, même si il arrive à faire son travail, le petit Roc qui courait avec compagnie de Louis-Daniel Doué-Péré. Mais c'est clair que. Attention. C'est sa deuxième bicyclette. Ouais. Tout à l'heure, elle a failli leur coûter cher. Et puis là,
ce genre de geste, c'est plutôt vers l'avant, aux attaquants qui, oui, c'est, qui c'est le font. Bien. Et ils ont fait deux en match. En tout cas, oui, Vincent Vaquier qui. Et là, on le voit, il manque hein, parce que c'est quelqu'un qui gère sa défense. Oui, qui, oui. Qui. Un meneur d'hommes qui va. Voilà, c'est le capitaine. C'est le capitaine qui va sonner la révolte des fois parce qu'il va monter pour aller porter le soutien, le surnombre offensivement. Et puis... Oui, et voilà. Il a une bonne lecture de jeu. Il est présent sur tous les niveaux, aérien comme au sol. Donc, c'est vrai que c'est ce jour-là, on le sent quand il est absent. Ça se ressent. Et voilà. Les crampes, ça y est, Dylan Mahéné commence à sentir, il va le sortir. Ouais. Mathieu Doué-Péré, voilà, ils sont encore, ils ont envie, revenir au score, ouais, même si un peu plus de 5 minutes, mais donc il y a du temps, il y a de l'espoir. C'est vrai, c'est cette particularité de cette équipe d'Aïs Cougné qui ne lâche rien. Et puis ils ont raison. C'est ça, de toute façon le football c'est jusqu'à la dernière seconde de toute façon. Tant qu'il y a du temps de jeu, il y a des possibilités. Exact. Toujours. Ça peut aller très vite. Hein. Il y a juste deux buts à marquer. Ils sont revenus au score. Ouais, changement. Ah, ça va être de l'autre côté. Dylan Mahéné qui va laisser sa place. Donc à Kevin. Maouéa. Ouais. Dylan qui. Voilà. Dylan qui pourra pas aller plus loin. Et puis il a fait. Il a fait une bonne un bon match. Oui. Il a tenu son rôle. Il a tenu sa place à droite. Et Vaxa qui continue. À être là sur ses coups de pied arrêtés. Oui. Vaxa, je pense que s'il y avait. Attention, ah, faut pas perdre. Ouais. Voilà, c'est bien fait. Le petit pont. Ouais. Faute. Bien joué de la part de Bernard Waouya, mais il obtient une faute, ça casse le jeu. Permet de poser le ballon. Le temps passe, voilà. Comme voilà. Il dit Georges Béarounet, c'est bon. C'est bon. Tranquille, il mène au score. Ils ont deux buts d'avance. Maintenant, il faut savoir préserver ce score. Être dans la gestion. Ouais, Georges Béarounet, un ancien international, Kagou, beaucoup d'expérience. Petite faute de la part de Roberto. Ouais, c'est ça. Ouais. Une faute. Conteste un peu, mais ouais, il y a bien faute. Sur Jacob Wachetin. Voilà. Ouais, ça accroche un peu le maillot ou le bras. C'est joué court. Le capitaine. Attention du côté droit, voilà, Gianni Momieux qui est parti. Il va la mettre trop tard. Bien défendu encore de la part d'Edmond en deux temps. Kouaté qui va lancer Gabriel Vakoumé sur le côté droit. Ouais, il y a eu une petite faute, elle va être signalée. Et puis derrière. Attention. Il y a eu un contact. Ouais, c'était un peu le bas du dos là. Je crois que. Il ouais, y a eu contact, je ne sais pas comment ni où. Là, on va le voir. Hop. Voilà, la faute, elle est là. Le croche-pied tombe. Ouais, il a mal à ouais, bas du dos, je crois qu'il va sortir. Je crois qu'il a pris un petit coup ou peut-être le crampon. Je ne sais pas, mais il veut tenir son poste. Il ne veut pas sortir. Attention, très bien frappé ça. Heureusement dommage, que les deux joueurs n'ont pas pu récupérer ce ballon. Voilà. Ouais, Lou Daniel Louis qui est Daniel. Monté. Peut opérer de l'autre côté, c'était Dominique Vaquier. Prend son temps, Oya. Wachetin. C'est un long ballon vers l'avant qui va être récupéré par.
Franck Tikouré. Voilà, c'est bien joué. C'est bien qu'il se fait. Bien joué encore. Pour De Pere, Mathieu. Mathieu pour Dominique. Bien joué. Tu bien joué. C'est très bien joué. Oh, y a, ah, un drapeau qui se lève. En jeu. Un retour dans. Non, je sais pas. on va regarder sur les images. Non, pour l'instant, il n'y a pas hors-jeu. Non, c'est après, je crois. C'est après. Ah, c'est-à-dire qu'il récupère le ballon, là. Prendre le ballon, mais il est touché, je pense pas. Bien joué, Rico. Eric Pougin. Juge de ligne. Il a vu cet hors-jeu. Allez, moins de 2 minutes. Ouais, on approche du temps réglementaire. Touche pour Roberto Noiré. Mésentente. Voilà, c'est à mon essai. Il faut sortir proprement, il ne faut pas la perdre. Ah, c'est bien fait. Voilà. Vaxa. C'est avec son pied gauche qui doit trouver les intervalles, c'est très bien fait de sa part. Là, c'est Wamedio qui doit faire le travail. Dommage. Là, c'est bien défendu. Il était quand même esselé, seul avec Wamedio. Ouais, avec ses trois rouges autour de lui. 88e minute, 89e minute, on n'a pas forcément. La même lucidité. 100%, ouais. Ouais, toute la lucidité qu'on a en début de match. En tout cas, ça permet de gagner du temps. Et ça ressort proprement en une touche, c'est très bien fait. Bah, quand on mène au score et quand on essaye de. Il est plus détendu, plus de confiance. Hein. Plus de confiance pour jouer à des ballons justes. Ce bon ballon. Bon dosage. À Dominique. Accélère devant Wanessé. Qui reste costaud. Qui perd ce ballon. Qui reste au défenseur. Qui ressort proprement, c'est bien joué. Naou. Voilà. C'est le changement. Dommage, passer appuyé, récupérer directement. Gabriel Vakoumé qui va trouver Roberto. Et encore Edmond. Ouais, qui fait un gros travail défensif là. Au travail. Allez, le dernier changement, je rentre pour Auguste Wachetine. Avec l'entrée en jeu donc de Jean-François Ouadra. Qui va prendre la place, je pense, de François Naweongo. Qui va sortir. Et voilà, Jack qui va céder sa place. Donc à Jean-François Ouadra. Et voilà qui rentre pour ses. Dans le temps additionnel. Apporter sa petite contribution aussi. Le joueur de l'Horizon Pato. Frappe, dommage. Ah, il obtient quand même le corner. Il obtient quand même le corner, le joueur de l'AS Cougné, Vincent Coité. Ouais, je pense que ça va être un des Patrick Cotereux. Dernier corner du match. On a 1 minute 30 de temps additionnel. Pied gauche de Néoré. Bien frappé. Bon. Qui tente de la redresser. C'était compliqué ce geste-là. Le dos. Essayez quand même. Moins mieux. À l'écran. Buteur aujourd'hui pour l'ASK. Qui ne sera pas suffisant, ouais. Ballon. Dégagé par Coité. Daniel, attention, Louis Daniel, l'autre côté qui écarte pour Gabriel, Vakoumé, qui va trouver Roberto, de face pour bien jouer de la part de Gianni, bien joué encore sur 1-2, un 3 contre 2. Il est bon, c'est bon, dommage. Il y a Kiam Wenessé qui veille au grain. Ouais. Après que. Ils sont dangereux quand ils se trouvent, ouais. Là, Mangieu et Néoéry sont très complémentaires. Ça se trouve sur ces une touche là, c'est des belles combinaisons qui
qui nous offre du beau spectacle et du beau football. Ouais. À côté. Encore un corner. Ça va être le dernier. Ouais, je pense que ouais, ça va être le dernier. Bien frappé. Ah, quand il a pu la récupérer, ça va sortir en touche, tout ça. Et. Ils vont prendre leur temps, les joueurs de l'Horizon Paso. Oui, pas pressé. Ils savent un peu que la montre. Ils tiennent leur victoire. Et provisoirement, on n'a pas encore les autres scores, juste celui de Dimbéa qui a réussi cette perf en allant battre l'AS Mandor chez eux, 3-2. Et là, donc l'Horizon Pato qui mène sur le score de 3-1 ici à Noumadélé face à l'AS Cougné, à Louis Daniel. Qui met sur son pied gauche. Bien joué. Et bien capté par... Oui, ah ouais, c'est-il. Et voilà, à la fin de ce match, sifflé par M. Marmont. Ouais. Et ce score de 3-1 pour cette équipe de l'AS Cougné qui a manqué en première mi-temps de justement prendre l'avantage avec pas mal d'actions intéressantes et dangereuses. Malheureusement, à la fin de ce match, on se retrouve avec ce numéro 10, ouais, encore Georges Béarounet de l'équipe de l'Horizon Pato, avec un doublé qui porte son équipe vers le haut du classement provisoirement, donc à la deuxième place, normalement. Ces trois buts qui leur permettent de souffler et de s'éloigner de cette zone que fréquente actuellement, où est pensionnaire donc justement l'AS Cougné, qui est septième. Huitième. Ouais. Donc, c'est place synonyme de barrage. On les voit, les joueurs avec leur capitaine, Georges Béarounet. On va pouvoir justement revivre justement toutes les actions de ce match. Voilà les moments forts, cette première mi-temps. Tordi commence avec ses petites erreurs. Non, c'est pas celle-là. La Cougné qui ont fait une bonne première mi-temps avec pas mal d'occasions. Et beaucoup d'erreurs de la part beaucoup de l'autre. Beaucoup d'erreurs de la part, voilà. Comme celle-ci. Première bicyclette. Là, cette erreur-là qui n'a pas été aboutie. Ils n'ont pas su exploiter ces erreurs défensives de Pato. Cette bicyclette-là de Béarounet, dangereuse, qui est récupérée et qui... directement droit au but, qui n'arrive pas à lever ce ballon suffisamment pour pouvoir tromper Oea, qui le récupère en deux temps. Ah, et puis c'est corner, enfin c'est encore un coup de pied arrêté, frappé par... On va avoir encore cette autre erreur là, ton perte de balle, qui est dangereuse. Heureusement que c'est mal négocié de la part de l'attaquant de l'AS Cougné. Voici cette tête dans les bras du gardien. Qui l'a mis juste à côté du poteau pour cette occasion. Voilà, jusqu'à cette petite cloche. Ballon piqué. Une bonne lecture de Wamedio qui laisse le ballon pour Naou. Ça va se gêner et qui arrive à la mettre au fond. Là, on est en deuxième mi-temps. Ouais. On est à la 51e minute. Kenny Naou qui vient. Sous l'impulsion de Georges Béarounet, donc cette passe qui permet à l'attaquant de l'Horizon Paso d'ouvrir le score pour son équipe. Cette déviation là de Béarounet aussi amène Naou au centre. Là, qui pousse les joueurs de Cougné à défendre en reculant. On va avoir encore cette phase de jeu.
Et ce coup franc. Et le but. Ouais, direct. Et le but, ce corner direct. Frappé par Georges Béarounet. Le voilà. Ça va être l'homme du match. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que c'est s'il y avait un homme du match, ce serait lui. Ça va être l'homme du match. Et voilà. Ouais, un doublé. Des passes décisives. Passe décisive, passe ouais, D, passe le premier pour Kevin, pour Kenny Nao, la deuxième, bah, se la met tout seul. On est rentrant et puis on va voir après. Justement, c'est une belle phase de jeu avec ce décalage vers Peter Hewingene, Jean-Paul Wamedjo. Ah, qui sait le temps, qui tente le geste là. Beau geste et qui malheureusement n'est pas concluant. Encore ses erreurs. Par contre, là, c'est du côté de Cougnet. Tentative de Béarounet du milieu. Vigilant, d'opérer vigilant dans les buts. Voilà. En deux temps. On voit cette frappe là. C'est taré en deux temps. Et il a le but. Là, les joueurs de Cougnet qui sont trop passifs. Ouais. Ils laissent frapper une fois. Et Georges Béarounet qui la prend magnifiquement bien avec l'extérieur de son pied gauche. Bien incliné, bon équilibre. À l'expérience. L'expérience là de Georges Béarounet, c'est ça pardonne pas. Voilà. Doublé de Béarounet qui emmène cette équipe avec 3 buts. Bon, les tentatives là de l'AS Cougnet. Même le but. Gianni a juste la poussée. Ça fait 3-1. On est à la 79e minute. Cougnet qui espère, qui pousse, qui y croit encore. À l'image de Gabriel Bakoumé. Ces deux flanqueurs là. Ce petit duo là, oui. Et Roberto Neuere. Mais ça va être malheureusement enrayé tout ça par ces deux défenseurs. Oui. On laisse Kiam et Edmond Béarounet. Un beau duo défensif qui marche bien. C'est ça. Donc on a eu donc une rencontre mitigée au départ et puis sur la fin il y a eu du rythme, il y a eu du jeu, il y a eu des actions. Donc en tout cas un beau résultat de la part de l'Horizon Pato qui va pouvoir évoluer au tableau, contre, oui. Au niveau du classement général. Par contre l'AS Cougnet ça va être plus difficile. Donc on a vu une première rencontre intéressante là à 17h30. Ne manquez pas à 17h30 justement cette nouvelle affiche, l'AS Magenta, enfin, Tigasport qui va affronter l'AS Magenta. Ouais, nous, on va bon se match. Laisser le temps d'une pause une avant petite pause, de oui. revenir et de vous retrouver donc, sur la chaîne de Canal Plus, donc Pacific Plus, et celle de la FCF TV Web pour justement vivre à 17h30 ce direct entre l'AS Magenta et Tigasport. Ouais, belle merci affiche. À tout à l'heure. À tout à l'heure.